Allez. Bonjour tout le monde. Oui, on est dans le groupe. Voilà, bonjour tout le monde. Je suis ici avec Sabine qui était d'accord de donner un témoignage sur le cours. C'est encore moi qui décide, qu'elle a suivi d'une manière assez intense, me semble-t-il, avec son binôme. Et je suis donc tout à fait ravie d'avoir Sabine ici avec nous parce que pour elle, c'est aussi un challenge de faire un témoignage avec une vidéo. Oui, c'est ce qu'elle m'a raconté. Elle fait tout dans sa vie, mais faire des vidéos en direct sur Facebook, c'est son challenge parmi d'autres. Donc, merci beaucoup. Je trouve ça, c'est magnifique que tu es là. Et Sabine, tu m'as raconté ce que tu fais. Est-ce que tu veux, avant qu'on parle du cours que tu as suivi, juste nous dire en trois mots qu'est-ce que tu fais, parce que c'est vraiment magnifique. D'accord. Alors, moi, je suis Sabine, donc je suis coach énergéticienne. Donc, j'accompagne des femmes et des hommes, en fait, à reprendre leur vie en main suite à un divorce, mais surtout par rapport aussi à une maladie. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai Lyme, j'ai fibro. Donc, j'ai tout un parcours qui fait que je peux vraiment aider les personnes aussi bien. Parce qu'en fait, moi, je fais un suivi holistique, c'est-à-dire c'est corps, âme, esprit. Je fais vraiment tout, aussi bien la nutrition que se remettre un petit peu au sport, le mindset et se connecter à son âme. Donc, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je fais donc du coaching et de l'énergétique. Donc, voilà. Et donc, je Mmh, fais c'est magnifique. essentiellement Oui. ça sur le web. C'est-à-dire que je fais ça par coach vidéo, en fait. On Ouais, se en branche ligne, ouais. d'ordinateur Ouais. à ordinateur ou même de portable à portable. Maintenant, on a tout un potentiel d'outils. On passe par WhatsApp, on passe par Zoom. On trouve toujours Ouais, c'est magnifique. un lien. Donc voilà. Ouais, super. Hein, moi, j'adore, évidemment. Alors, Sabine, comment tu m'as trouvé, en fait, comment tu as trouvé le cours et quelle est la raison pour laquelle tu t'es inscrite? Alors, comment j'ai trouvé le cours? Je ne sais pas. Je suppose que c'est Facebook. En fait, je t'avais dans ma liste mail et j'ai cliqué à chaque fois que tu as envoyé un truc et puis que je me suis dit, c'est le titre, c'est encore moi qui décide. Donc, c'est aussi moi dans ma thématique et comme mon expérience de vie, c'est vraiment ça, c'est le corps qui décide, mais notre mindset aussi et notre âme aussi. Donc en fait, ça m'a vraiment appelée, de toute façon, même quand je disais à ma binôme, mais je ne sais même pas comment je suis atterrie là, mais je suis là. Donc voilà, donc ça a été l'univers qui m'a amenée jusqu'à toi. Oui, je pense que c'est souvent comment ça, d'une manière totalement magique. Je me dis, mais enfin! Et ça c'est là que c'est le meilleur, souvent, quand c'est le bon moment et comme par magie. Et alors, quelles étaient tes attentes? Moi, je les ai lues, ce que tu avais écrit, hein, mais est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que tu voulais en sortir de ce cours? Qu'est-ce que tu avais comme attente? Alors, mon attente, parce qu'en fait, comme je suis en cours de faire des formations sur le web, donc tout est prêt sauf pour faire des vidéos. J'ai vraiment ce problème-là et donc en fait, ça me bloque pour passer à l'action pour le reste. Donc en fait, c'était ma vraie attente. Et quand je vois que là, je suis en train de faire un Facebook en direct, moi, je dis, le pari, il est quand même pas loin d'être bien gagné quand même, hein. Donc c'est super, ça Ouais. m'a débloqué plein de choses. J'ai libéré, on a beaucoup travaillé avec Anne. On a fait tous les exercices, on en a même fait deux, trois. Enfin, on a fait les questions, ça a été intensif pour nous toutes les deux, mais ça a été magique. Vraiment, c'est le mot. Alors, je ne sais pas, elle, si ça a été magique, mais je pense que oui, ça a été vraiment exceptionnel. La sororité qu'il y avait entre nous et même dans le groupe, ça nous a porté, en fait, ça te porte.
Oui, ça tout seul, ça, on a l'impression que cette vibration, cette énergie, enfin, c'est pas seulement l'impression, c'est vraiment une réalité. Cette énergie, elle est tellement élevée, comme tu dis, ça porte. Et alors, tout le travail qu'on doit faire au niveau personnel, il est plus facile, hein, parce que souvent, on va en profondeur, on va quand même toucher des choses que normalement, on n'a pas trop envie de chatouiller, mais qui ont besoin de sortir, qui ont besoin d'être regardées, n'est-ce pas? Ouais, et puis il y a cette résonance en fait. Ah ben, moi, avec ma binôme, il y a eu vraiment cette résonance où on a travaillé sur les mêmes choses. On a travaillé, moi, ce que je te disais, on a travaillé énormément sur masculin sacré. Bon, faut savoir que moi, j'ai beaucoup d'outils aussi. Donc, ça a été vraiment travaillé. Enfin, moi, j'avais jamais vraiment travaillé comme ça. En binôme, hein. Je travaillais beaucoup en binôme au niveau marketing, vente, mais c'est pas du tout la même chose. Là, c'est vraiment quand on fait un travail, par exemple quand on fait Tipeee ou le body scan, on est en lien d'âme à âme, en lien télépathique. Donc en fait, il y a une synergie qui fait que, eh ben, on libère beaucoup beaucoup plus et on se porte vraiment, quoi. C'est vraiment. On a envie d'aller plus loin, en fait. Et parce que nous, on a fait quand même une à deux fois, hein, on se voyait 2 heures à 3 heures, une à deux fois par semaine, en Zoom, donc avec Zoom. Et c'était vraiment. Mais d'ailleurs, on va continuer, hein, parce que franchement, c'est une vraie découverte. Et. Ouais, c'est une vraie découverte et un vrai plaisir en fait. C'est une nouvelle façon de travailler. Enfin, de travailler entre guillemets, hein, parce que travailler sur soi, on ne dit pas travailler sur soi, mais vraiment, vraiment, on porte quoi, on se porte, on s'allège du coup, on s'allège et on Oui, enlève j'avais. le blocage. Oui, ah ben moi je trouve ça magnifique que vous avez profité de cette manière-là, de ce cours. Parce qu'une fois qu'on se décide de faire un cours, alors il faut encore participer au cours. Et comme j'avais dit, cette possibilité que je vous donne ou que je vous incite à travailler en binôme, c'est un cadeau, un super cadeau en plus, en fait, du cours. Parce que c'est un cours en groupe, donc il y a tant de personnes, je ne peux pas me consacrer à coacher chaque personne individuellement. Et en plus de ça, quand on le fait en binôme, et on se rend compte de cette puissance qu'on a de multiplier en fait nos connaissances, comme tu dis, une liaison de âme à âme, et c'est quelque chose qui est extraordinaire et c'est quelque chose qui reste dans la vie. J'ai même des gens qui, hier Patricia racontait ça, son binôme était en Afrique. Elle est venue en France lui rendre visite, mais et j'ai d'autres qui se sont rencontrés, ça reste des amitiés parce qu'on travaille dans cette profondeur d'âme et ça ne se dilue pas après, ça crée des incroyables amitiés souvent et c'est magnifique ça. Donc oui, c'est très chouette de faire ça entre femmes avec ce sujet-là. Donc Ouais, en fait, on passe de la tente rouge au web rouge, tu vois. Tu vois, on n'est plus sous la tente parce qu'on a un peu de mal, on est toutes loin. Et puis donc là, tu vois, c'est le web rouge maintenant. Oui, tu as raison, hein. Je n'ai même pas pensé, c'est chouette, je vais appeler ça, au lieu d'appeler ça le cercle des sœurs magiques, je vais appeler ça la tente des sœurs magiques. Oui, non, c'est vrai, j'avais expliqué ça aussi, que beaucoup de femmes ont cette habitude, enfin, ont déjà une tente rouge où elles vont, mais il faut encore qu'il y en ait une à côté, hein. Tu ne vas pas faire 3 heures hein, chaque fois. Donc. Et sur le web, comme toi, tu sais très bien, c'est incroyable la puissance, les connexions qui se font. Moi, je trouve que même, moi, j'étais en vacances et je vous voyais dans le groupe. C'est comme si je vous avais amené avec moi dans la caravane, dans le camping et tout. Et ça, moi, ça me nourrissait aussi d'être dans cette magie, d'être témoin de tout ce qui se passe. Et ça, c'est la magie du web. Tu peux. Et dans la célébration, il y avait Laurence et c'était qui? Laurie, Geneviève qui nous regardaient depuis leur tente, qui ont dansé dans la tente. Oui, non, mais c'est merveilleux maintenant ces outils qu'on a qui nous permettent de nous reconnecter en fait à notre lien entre femmes, hein, la sororité.
vraiment ça. Et donc, parce que moi, là, par exemple, je suis dans un endroit où je n'ai pas encore trouvé vraiment ça, de lien avec plusieurs autres femmes, parce que si, ma meilleure amie, oui. Et en fait, c'est quand même. La sororité, c'est vraiment un lien qu'on a perdu, en fait. Exact. Et Surtout que tout est devenu individuel dans notre société. voilà. Et donc, notre puissance de femme, c'est vraiment ça. Donc, ton cours, il m'a permis vraiment de me reconnecter à 3000% à ça. Donc, ça a été vraiment intense. Un mois intense, quand même. Hein. Ça c'est magnifique, ça me réchauffe mon cœur que tu dis ça parce que c'est vraiment une de mes buts. Est-ce que tu veux me dire quel était l'exercice que tu as aimé le plus? Le body scan. Qui t'a le plus aidé, le body Ah, le scan? plus aidé, le plus aidé, en fait, comme c'est un parcours, hein, parce que tu as fait ça en parcours, hein, tu as fait ça comme un chemin, tout a été positif. Mais moi, j'ai bien aimé le body scan parce qu'en fait, j'étais un peu sceptique parce que pour moi, le body scan, c'est aussi pour réveiller. Ça réveille la mémoire ou une mémoire. Et je me suis dit, ouais, mais quand c'est réveillé, qu'est-ce qu'on fait après? Et en fait, j'ai pas eu ça parce qu'avec, comment elle s'appelle, Anne, on est parti, mais dans des. Enfin, nous, ça a duré très longtemps. On a fait chacune au moins plus d'une demi-heure. Donc, à chaque fois, donc, Ah nous, on partait en voyage. Hein. Nous, c'était. oui, On partait en mais vrai. c'est ça que c'est. Donc, aussi bien avec des moments positifs que négatifs, c'était ça qui était très, très intéressant. Et donc, c'est quand même le moment, moi, où je préfère. Oui, Cette c'est. façon, ouais. Parce que comme en plus on était quand même très en télépathie, où il y avait un lien, enfin on faisait des voyages vraiment à deux en fait presque, et ça a été quand même hyper intense. Mais dans les deux cas, et à chaque fois, l'histoire elle se finissait super bien, enfin la mémoire elle était lavée, nettoyée, rincée, essorée, nickel, et c'était magique. C'était magique. Ah Ah ouais, ouais, non, c'était il est pratique. vraiment intéressant. Travail très, très, Non, très mais intéressant. Je n'avais jamais Et fait donc. encore. Ah oui. Oui, je crois que là, j'enseigne des choses qu'on ne trouve pas si facilement. Ce sont des choses que moi, je pratique et qui étaient pour moi, qui m'ont vraiment transformé ma vie et qui ont accéléré le processus. Je crois que c'est ça qui est intéressant et c'est aussi mon but, d'accompagner les femmes d'une manière à ce qu'elles se rendent compte qu'on peut aller plus vite parce qu'on est impatient de mettre sa passion et son don offrir au On a monde. Et attendu puis... longtemps, hein. Ouais. Ah oui. Parce qu'on s'est réveillé quand même assez tard. Enfin, moi, 42 ans, 43 ans, Ah oui. Ah, moi c'était encore plus tard, c'est quelque chose de fou. Enfin, on fait toujours des petites gouttes de quelque chose dans sa vie, on le fait toute sa vie, mais quand on fait le saut de dire, OK, ça maintenant je l'offre au monde à 100%, ça a beaucoup de... Ouais, là, je suis contente pour le moment, je travaille avec beaucoup de femmes qui, dans les 30 ans, je me dis, Ah. yes, elles vont pas devoir attendre de, je sais pas, moi, tous les drames qu'on peut vivre avant qu'on se libère. Mais, oui, Francesca, hier, dans le truc, dans le témoignage, elle a dit qu'elle a attendu 10 ans. Elle était bloquée pendant 10 ans. Et elle, c'était fulgurant. En 2 mois, elle s'est complètement débloquée. Et elle est partie. Bah quand c'est le Donc, moment, c'est le moment. Hein. Mais bon, ça fait voilà. partie aussi de notre expérience. Hein. Tout Parce à que moi, fait. avec toutes les expériences que j'ai eues, aussi bien, enfin, j'ai été à l'étranger, j'ai eu une vie pleine, riche, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Donc après, c'est sûr que l'expérience t'amène à te dire, bon, maintenant c'est bon, ça c'est moi qui décide, je reprends ma vie en main. Tu sais, quand je dis je reprends ma vie en main, c'est vraiment, je reprends ma puissance, mon pouvoir de femme, et c'est moi qui décide, tu vois, c'est mon corps qui décide, mais c'est mon âme aussi. Yes.
Et c'est mon âme, mon mental aussi, parce que on a tout et il faut tout prendre. On peut pas dire non, ça je veux pas, ça je veux pas. Non, on prend tout. Donc vraiment, je décide de ma vie avec mon corps, mon âme, mon mental et tout le reste autour de moi et je fais le chemin. Ouais, voilà. C'est comme tu dis, on rentre dans sa puissance, on reprend sa vie en main en fait. Ouais. Ça, c'est à ce moment-là qu'on fait des vrais choix. Voilà. Et ton cours, c'est ça qui permet, c'est que moi, là, c'est vraiment la puissance de la femme grâce à la sororité, puisque ça fait vraiment partie de nous. Et puis, c'est vraiment ça, notre puissance, puisque nous, on n'est pas des hommes. Hein, on a une énergie masculine aussi qui nous permet d'aller de l'avant, de faire des actions, d'être organisée et tout. Mais cette puissance féminine de l'invisible, c'est quand même ça qu'il faut qu'on reconnecte puisqu'on nous l'a enlevé quand même pas mal. Donc, ton cours, il a vraiment permis ça et vraiment permis d'aller au fond, en fait. Enfin, moi, comme nous, enfin, avec Anne, ma binôme, on a fait le cours à fond et qu'on a vraiment partagé des moments intenses toutes les deux entre femmes. C'est vrai que ça permet d'ouvrir les portes. On ouvre encore plus les portes. Et donc c'est sûr que là magnifique, ça permet vraiment 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 d'avancer et vraiment de passer à l'action, parce que c'est quand même moi moi je suis plus énergie féminine, donc passer à l'action et d'assumer qui on est, enfin d'assumer d'être qui on est vraiment. Oui, ça c'était le module numéro 4, passer à l'action. Pour moi, ça c'est voilà, mais il faut faire le boulot avant. Il faut faire le reste, c'est ça. Moi, c'est vraiment, et je sais que quand tu t'es inscrite, c'est que tu avais dit que ton truc, c'était que tu voulais passer à l'action, tu voulais vraiment ça. Et moi, c'est toujours quand je travaille avec une femme, moi, je veux que, je fais tout pour qu'à la fin, il y ait un résultat. Parce que du blabla et de petites méditations et d'ions comme ça, par-ci, par-là, c'est bien, il le faut. Mais après, ça doit devenir du concret. Si on veut avoir un impact dans le monde, ben, ça ne va pas aller si on ne fait que méditer et chanter et de se cacher dans une tente. Après, c'est pas là qu'on va y arriver. On doit, et avec toute cette puissance que nous, on a les femmes, aller commencer parce qu'il est l'heure. Oui, il est l'heure de se réveiller, les filles. ça c'est... C'est nous qui éduquons d'abord les enfants en principe, c'est nous qui les portons. Cette génération, qu'est-ce qu'elle va vivre si nous, on ne se réveille pas? Et, ouais. Et là, y a assez de... Je veux dire, il y a vraiment des choses à faire. Et je pense que si on se met tous ensemble... Et il y a de la place pour tout le monde. Hein. Chacun est unique. Hein. Il y a de la place pour tout le monde. Parce que ça aussi, souvent, on nous a mis... Ben, ça, c'est l'énergie masculine avec la compétition. Avec concurrence. Non. Il y a tout le monde. On partage et on voit tous... Comme on a tous notre vibration différente, on porte quelque chose de différent. Et d'une thérapeute à l'autre, on débloque des choses différentes, en fait. Comme on est un peu un millefeuille, hein, il faut feuille après feuille. Hein. Oui, exact. Oui, c'est bien que tu dis ça parce que parfois, on a vraiment les femmes, quand on manque de confiance en soi, au début ou en général, on se dit mon Dieu, mais j'ai mon petit truc. Quelqu'un fait, on se compare ou on ne se trouve pas assez bien, ou puis alors on croit que l'autre. Non, ça n'a rien à voir parce que déjà, on n'est absolument pas assez de personnes éveillées ou actives. Beaucoup de femmes sont encore dans le truc que je vais d'abord m'occuper de tous les autres. J'ai absolument gagné de l'argent pour survivre. À passer dans, comme j'expliquais, avec cette zone de lumière où tu es dans ta pleine puissance, ouais. Tu vas t'occuper des autres, tu vas gagner de l'argent pour vivre, mais tu vis ta vraie vie et alors tu enflammes aussi ou comment tu es contagieuse pour les autres. Exactement. Et ça, c'est important. Et là, on n'est absolument pas assez. Ça commence, mais on est tellement... Ça commence, puis il y a quand même le tabou de l'argent pour les femmes. Donc... Ouais. Comme on a encore l'esprit un peu sauveur et en plus
gratuit, mais tu vois, on donne et on reçoit, bah, on peut recevoir de l'énergie et tout ça, mais l'énergie de l'argent, c'est aussi une énergie. Donc, Oui, on a le ça c'est droit, ce que... en fait, de vivre de Voilà. notre potentiel, de nos dons. Ça, on a le droit. Exact. Oui, et quand on regarde la nature, l'abondance qu'il y a dans la nature, c'est un truc de fou. Nous, ici, je suis dans les dunes et il a plu un peu plus et tu vois des fleurs partout, dans Ouais. le sable. Et quand je regarde ça, je me dis, mais l'abondance, elle est censée être Elle est là. partout. Pourquoi elle ne serait pas dans ma vie? Et parfois, cette abondance, tu connais ça quand on travaille dans ce qu'on adore, on remplit son cœur comme ça. Et c'est une richesse inimaginable, ce sentiment. Hein, ça, Ouais. c'est la première chose. Et après, évidemment, avec cette énergie de l'argent, on a beaucoup, beaucoup à apprendre parce qu'il y a beaucoup de négativité qui a été collée dessus. Donc, oui, tout à fait. Bon, Ouais. voilà. Bon, ben voilà. Magnifique. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou si tout est dit. Non, enfin, que il faut bien penser à son corps, aussi bien le nourrir, mais bien aussi le ressentir, parce que c'est quand même ton cours, hein, c'est quand même être dans son corps, le ressentir, et puis l'aimer, quoi. L'aimer. Ouais. Je pense que Voilà, là, on a fait pas mal de et méditation. ça permet de s'assumer, tu vois, mais pas s'assumer dans le yang, on y va, non, juste s'assumer, je suis là, j'ai ma place, toute ma place. Ouais, magnifique, toute ma Voilà ma place. belle. Magnifique. Ben voilà, et félicitations parce que je trouve que tu fais ça super naturellement, super bien. Il n'y a aucune raison plus maintenant de... Tu peux regarder ta vidéo après, tu vas voir comment tu es magnifique là. Je sais pas, je suppose que tout le monde te trouve aussi comme tu parles. C'est vraiment... Ça me donne la chair de poule parfois. Ah, Ouais. ben Oui, tu vois. vraiment. En tout Magnifique. cas, merci, 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 parce que là, ça m'a permis de faire plein de sauts. Là, une vidéo Facebook et tout, génial, quoi. Franchement, pour moi, elle a gagné. Je suis super contente. J'ai une nouvelle amie aussi extraordinaire avec Anne. Donc, c'est magique, quoi. Vraiment, beaucoup de cadeaux avec cette formation. Beaucoup, beaucoup. Merci, ça. Je suis contente que c'était comme ça pour toi. Merci beaucoup. Merci ici au groupe de nous avoir écoutés et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.